Le festival My French Book Fest a eu lieu du 30 octobre au 11 novembre en Louisiane. C'est un festival de littérature jeunesse francophone qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Alors que la Louisiane est un état traditionnellement très francophile, les écoles, les familles ont souvent du mal à se procurer des livres en français. D'où l'importance d'organiser My French Book Fest. L'objectif principal de ce festival est bien sûr de promouvoir la littérature jeunesse en français en Louisiane, à l'intention d'abord des parents des enfants en immersion, ensuite des enseignants, mais aussi des acteurs du livre, comme les librairies locales, pour qu'elles comprennent l'intérêt d'avoir une sélection de livres en français. J'ai vraiment senti qu'on était tous là pour la même raison. Faire rayonner cette francophonie. Et c'est aussi une manière de s'intéresser à la langue. Parce que apprendre une langue tout court, des fois, c'est pédagogique, ça peut être un peu plate. Alors que les livres, tu veux savoir la suite, tu es excité de savoir qu'est-ce qui va arriver au personnage. Alors, tu apprends sans même t'en rendre compte. On peut distinguer trois types d'activités développées pendant le festival qui ont en tout touché plus de 2000 personnes, principalement des enfants. La première, ce sont les visites de scolaires à l'Alliance française, avec une programmation ample d'ateliers, ateliers BD, calligraphie, découverte du livre, des lectures d'albums et bien sûr la visite de la Book Fair pour pouvoir acheter des livres. Nous voulions aller directement à la rencontre des élèves dans les écoles d'immersion en proposant des ateliers réalisés par des auteurs, des dessinateurs de bandes dessinées, des éditeurs. Ce partenariat avec les écoles d'immersion était très important parce que ça répond au besoin de proposer une offre culturelle en français pour le jeune public. Ça permet aux enfants d'accéder plus facilement à la littérature que quand ils vont parfois en bibliothèque où ils ouvrent des bouquins, certes, mais là, en plus, ils ont la chance de rencontrer les auteurs. J'ai vu mes élèves de 7e grade s'investir et aussi s'amuser. Et je pense qu'ils ont pu en plus travailler en autonomie aussi. Donc pour moi, c'est très bien. Par exemple, nous avons organisé une battle de BD entre les illustrateurs de Lucky Luke et de Boule et Bill. Nous avons également organisé une soirée conte, des lectures tout au long de la journée et des ateliers ouverts à toute la famille. Un élément évidemment très important du festival, c'est la Book Fair, avec comme exposant Garden District Bookshop, une librairie locale installée à la Nouvelle-Orléans, qui propose une sélection de livres en français pour enfants, les éditions Bouteau d'Or, venues d'Acadie, au Canada, la librairie Le Caribou à lunettes, une librairie spécialisée dans la littérature québécoise, installée à Détroit, la maison d'édition Calec, spécialisée dans le bilinguisme, les éditions Bayard Press pour les magazines, et enfin New Orleans Public Libraries. I think it's really important to have French books here and for sale to support the development of the French language in Louisiana, and really in a state where the language is disappearing and we have an opportunity to really bring it back in full force. Ce festival n'aurait pas été possible sans une étroite collaboration entre les organisateurs, les acteurs culturels, les écoles, les partenaires internationaux comme l'ambassade de France, les provinces du Québec, du Nouveau-Brunswick et avec le soutien important de la ville de la Nouvelle-Orléans. Le festival a pris une énorme ampleur en un an et nous espérons développer notre programmation l'année prochaine afin qu'elle bénéficie à encore plus d'élèves, encore plus de familles et encore plus d'écoles.